échange un peu souqué. Ouais, ça c'est pas mieux les gars. Elle nous a quand même perturbé parce que par rapport au dernier mois et demi, on a été moyen quand même dans ce qu'on a voulu faire. Bon, et puis on ne reviendra pas sur le fait d'être pas très très bien arbitré. On a pu le constater qu'à la fin, on se sent un peu lésé parce que si on marque, je pense qu'on gagne avec le bonus offensif contre le leader, c'est pas rien. Mais ceci dit, on a fait 16 fautes justifiées. On pourrait penser qu'on a eu un peu de pression et qu'on n'a pas montré notre vrai visage. Donc on a un peu déjoué, on n'a pas été précis. D'habitude, notamment, bon, moi je m'occupe de la touche, on est assez précis, on marque sur ballon porté, là on a deux touches lobées, on n'a pas été très 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 efficace et bon voilà, on ne sait pas pourquoi. Ce week-end-là, voilà, on a un peu failli. Ouais. Mais bon, ceci dit, on ne va pas se démobiliser. C'est le dernier match à Boyau de la saison, donc on a envie de rendre une bonne copie. Donc on va mettre les ingrédients. Le problème, quand vous gagnez 5 matchs sur 6, tout le monde se met à espérer, à croire à aller aux 4 premières places. Et aujourd'hui, oui, c'est un coup d'arrêt parce que justement, c'est le leader qui vient à la maison et qu'on ne le bat pas. Et même en étant moyen, on a la possibilité de le battre. Donc oui, c'est un coup d'arrêt, mais surtout comptablement. Maintenant, nous, on ne va pas batailler sans s'étendre. On va essayer de gagner nos 3 matchs de fort belle manière. Voilà. Donc c'est l'objectif. On sait qu'il y aura des Covid, on sait qu'il y aura des péréquations. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire qui sera là dans les 4 parce qu'il va y avoir encore des perturbations. Donc à nous de mettre les ingrédients pour gagner les 3 derniers matchs. Et puis on comptera à la fin. L'objectif, c'est quand même de mettre de la vitesse. Allez, jeu ! Ah, une équipe qui lâche rien, hein, qui a du cœur, qui est bien structurée, qui voilà, une équipe qui n'a pas gagné chez elle en 2021, qui a perdu contre les gros de justesse, qui a été gagnée à l'extérieur. Ah, c'est une équipe de terroir avec des valeurs, qui joue bien au rugby. Voilà, c'est une équipe qui va nous poser des problèmes, on le sait. Donc à nous de mettre les ingrédients pour essayer de s'en sortir. Mais attention, on les respecte, on ne prend pas le match à la légère parce qu'on sait qu'Aubenas, ça restera Aubenas et c'est une place forte du rugby français quand même.